Grand maître, nous adorons ou en abdi ou merci. Semaine sainte là, rappelez événement central la foi nous. La mort et résurrection Christ. Grand maître, nous adorons ou en abdi ou merci. Qui est important semaine sainte là gain pour vous comme un prêtre catholique? Avant de commencer, m'a dit téléspectateurs dans le monde entier, bonsoir, shalom pour tout le monde qui a regardé Radio Télé Solidarité. Donc, vocation moins, moi gagné près de 10 ans de sacerdoce. Et semaine ça, les signifie en pile bagaille pour moi. Côté Jésus, pour l'installer, pour le faire, la première messe, c'est l'institution de l'Eucharistie. Donc, c'est point central, la foi, non, que nous pourrons célébrer. Mystère pascal. Donc ça c'est quoi la foi moi la foi chrétienne. C'est que monseigneur n'a pas retourné encore sur vous parce que réellement pour dire nous c'est une pionnier ou c'est bon peut-être que bon grand pile bagage que vous vivez. Bon. J'ai dit Saint, nous connaissons que c'est fait prêtre, c'est fait l'Eucharistie. Est-ce qu'on va parler un peu de ça monseigneur Zalaï? Bon, il y a plusieurs leçons que nous râler dans jeudi saint. Premièrement, le lavement des pieds. Jésus, c'était repas traditionnel juif. Côté, il était célébré le passage de la mer Rouge. C'est ça, il y aurait en anglais le Passover. C'est-à-dire que le peuple hébreu était sauté en Égypte, il était traversé la mer Rouge, il était jambé. Ils sautent dans le pays esclavage et ils traversent la mer, ils viennent dans le pays liberté. Et c'est un gros événement. Et si ils ont des câbles faits par ça et ça, c'est bon Dieu qui l'ouvre route à travers de l'eau. Ils ont mis de l'eau et ils sont rentrés dans le pays promesse, dans le pays liberté. Et bien, pendant que Jésus a célébré ça avec tout juif, les filles font comprendre que ça t'est passé, hein? C'est en image seulement de ça qui a passé qu'on y est. Parce que Jésus vient faire une jambée, saute dans le pays esclavage, péché, pour le faire entrer dans le pays liberté, la grâce. Son passover, son jambée que nous devons faire. Et jambée, c'est fait à travers de l'eau, ça veut dire de l'eau baptême. Bon. Et le fini vient un nouveau. Commandement, l'Ancien Testament, c'est un commandement, c'est la loi de Moïse. On y a Jésus fait faire comprendre que toute la loi de Moïse, elle est résumée dans un seul bagage pour aimer bon Dieu ou aimer frère. C'est peut-être ça que Jésus vient pour célébrer le repas, commémorer le passage de la mer Rouge. Premier geste qu'il fait, il lavait pied à Potio. Ça voulait dire. Apôtre était saisi, Jésus dit, ah, nous besoin comprendre ça me tout fait là. Eh bien, Jean, moi fait là, c'est comme ça pour nous faire tout, pour nous laver pied l'autre. Pour nous prendre esprit de service, quand on oublie et tout dans le service les autres. Le Jésus finit laver pied à Apôtre, il prend pain, il parle avec eux en pile, il parle sur Dieu. Qui pourra glorifier lui, il a monté sous la croix, lui parler de tout ça, mais elle insistait tout le temps sur le commandement de l'amour. C'est ça, il est en latin le mandatum, le mandat, l'ordre là, l'ordre unique. C'est pour nous, yon remet l'ordre. Bon. Il prend pain, et puis, à la grande surprise, il dit ça, c'est comme, prends manger. Il a fini le précalissant, il dit ça, c'est calice sans moi. C'est sa nouvelle alliance qu'il a pour tout le temps. Prends bois. Et déjà, il était déjà dit, moi c'est pain qui m'a la vie, hein. Moun qui mange l'en pain, ça a bien la vie n'est allé, m'a levé le dernier jour. Et il dit, on l'autre côté, moun qui n'a pas mangé l'en pain, ça n'a pas bien la vie dans lit. Parce que c'est pain qui m'a la vie. Hein. Il a fini le don dernier parole, il a dit, fais ça pour nous, songez-moi. Donc il est passé à Potio pour toujours faire ça.
qui ça? Ça veut dire pour yo prendre pain, pour dire ça, c'est comme le fini pour bailler, pour moun manger, pain ça, pour ça, pour moun entrer en communion avec Jésus. C'est ça, le sacrifice, le sang de la nouvelle alliance, le corps de la nouvelle alliance. Vraiment, Bishop, moi content explication que vous avez là. Et je dis que c'est un lien important pour nous tous chrétiens, et spécialement les prêtres pour nous. Et joue ça, que Jésus, qui est le plus grand prêtre par excellence, quand il réunit à tous les disciples, il célèbre la messe. Et comment évêque Guisson Saïd fait, disons qu'il y a deux grandes actions qui passaient là, c'est lavement des pieds et célébration de l'Eucharistie. Que célébration que nous faisons dans toute messe, ça que Jésus dit, fais ça pour nous songer moins. Et pas juste là seulement, mais pour mettre l'amour en pratique chaque jour. Le verbe aimer pour conjuguer ça. Donc, aux téléspectateurs qui ont écouté, donc, faut comprendre ça. L'un à la messe, ce n'est pas seulement chita la prière, mais il faut mettre l'amour en pratique. Donc, moi, en tant que prêtre, tout le temps, je célèbre la messe. Ça fait me réfléchir. Qui ça, ça veut dire? Là, Jésus dit, fais ça pour nous songer, moi. Donc, pour moi, Jésus qui te réunit avec les disciples, il célèbre le passé, le présent et le futur. Côté, il prend pain pour le casser. Et puis, vers, il bénit, il dit ça c'est comme moi, ça c'est sans moi. Comme l'évêque Guisson Saïd se dit non. Et là que bon Dieu délivre le peuple là, en Égypte, dans l'esclavage, il passe traverser la mer Rouge. Donc, c'était le passé. Pass over. Mais Jésus, qui c'est the new covenant, nouvelle alliance là, les réunit avec disciples pour montrer, pour montrer qui ça les remet. Mais disciples pas qu'à comprendre vraiment, là j'ai dit ça, ça c'est comme moi, ça c'est sans moi. Fais ça pour nous songer moi. Donc c'est dans le futur, après là Jésus est cloué sous croix, glorifié. Laisse ça comprendre. Et commencer à comprendre un petit peu. Et là, Jésus ressuscité même. Laisse ça, il dit, ah. Vraiment, c'est sur ça même, il reconnaît Jésus ressuscité. Ou songez après, jour même, il ressuscité. Il y a deux disciples qui étaient virés d'eau. Yo, parce qu'ils étaient connus Jésus mourir. Mm. Donc, ils étaient comprendre toute joie de gâter. Jésus rejoint eux. Et les chita à table, les prend pain, les cassent. Et Dieu, disciples, l'ouvrit, nous reconnaître Jésus, le cassé pain. Et nous-mêmes, nous, c'est pour nous apprendre à reconnaître Jésus, le cassé pain. Et pour nous découvrir, tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a deux bagages, il y a un lavement des pieds, commandement de l'amour, et puis l'Eucharistie, mais tout le monde est marié ensemble. C'est cassé pain, son geste d'amour, partagé. Et parce que nous tous avons mangé le même pain, nous sommes obligés. Faisons seul corps. C'est peut-être ça son trahison qui grave. Le monde croit en Jésus et puis au divisé. Chaque monde fait bon parle. Alors que Jésus était là, priait même à la dernière scène. Papa, même Jean fait Younakou et qu'on fait Younak moins, c'est pour disciples toujours fait Youn. Non seulement eux-mêmes, mais tout le monde qui, grâce à parole, a croit en moi, puis au fait. Toujours font seul corps. L'unité de tout le monde qui croit en Jésus sont contre-trahisons. Le monde a viré de l'église pour ouvrir l'église par eux. Sont contre-trahisons. Parce que leur l'en-Christ, son seul Christ qui gagne, son seul Esprit Saint, Esprit Saint pas contradit Esprit Saint. Donc, pas de bataille. Depuis qu'il y a un compte entre chrétiens, c'est comme quoi nous mettons Jésus dehors. Commandement de l'amour égale commandement de l'unité dans l'amour et l'unité célébrée, le cassé pain. Oui, oui, c'est vrai, le cassé pain, chaque jour, vous nous faites ça. Et sur l'autel là, et puis, dans la famille, dans l'église domestique là, et la caille nous, et dans la rue, pour nous mettre ça en pratique. Mais il y a quelque chose d'autre dans l'événement ça, que Jésus réunit avec les disciples. Il est le victime et le prêtre. Comment nous sommes capables de
parler plus sur ça. Là. Très bien. Bon, ou qu'on dans tout sacrifice, dans toute prière, il y a trois bagages. Il y a nèg kapoufria, c'est ça où il est prêtre là. Il y a salapoufria, c'est ça où il est victime. Le troisième bagage, il y a mon Dieu. Généralement, nèg kapoufria, il est toujours offri yon bagage. Dans l'Ancien Testament, il était offri bête, il était offri mouton ou agneau. Il y a des occasions même, dans le temps Moïse, nous avons été offri des bœufs même. Il dit, bon Dieu, comme pas qu'à barre rien, pour montrer un signe que moi, remer, moi, tu es bête, ça m'offrir au lit. Mais bon Dieu, pas manger viande, bon Dieu, pas besoin bête, c'était un signe symbolique. Dans le cas Jésus, c'est lui-même qui. Le présenter devant bon Dieu, il dit, bon Dieu me vient la prière pour le peuple. Et qui ça m'a offert? Tête moi. Donc Jésus est à la fois le prêtre et la victime. Il prêtre et victime en même temps. Il offre tête. Et pour nous comprendre que l'heure où il offre un cadeau, le cadeau dépend de à qui on va offrir. Si par exemple, je m'offre une petite poupée pour petite ou pour une petite nièce, moi je me fais le cadeau de petite poupée, c'est normal. Mais si je suis grand même, je ne suis pas capable d'offrir une poupée. Vous comprenez? Parce que fort victime, là, il est proportionné à mon caprice voile. Par exemple, si je baille un chien au coup de pied, ce n'est pas bon du tout, mais chien pour diable. La sauver. Si je suis un coup de pied, oh, c'est beaucoup plus grave. Si je suis un président des États-Unis en coup de pied, je suis en prison. Ah, oh, il va en prison seulement. Bon. Donc, ça dépend. Eh bien, c'est un péché contre bon Dieu. C'est un péché qui est grave. Qui ça pour me réparer? Eh bien, si ça pour m'offrir bon Dieu, je ne vais pas m'offrir en mouton seulement, il faut m'offrir puisque bon Dieu infini. Comme offrir en victime infinie, seul Jésus qui est infini. C'est peut-être ça, Jésus offrit, bon Dieu, seul victime qui a la haute majesté, bon Dieu. C'est peut-être ça, c'est peut-être des lits offrés. Avant que nous passions avec Père Bonneau, que nous t'aimions que vous Père Mendes t'a dit nous exactement les activités que nous avons bien pendant la semaine 7 là et pour faire part dans la paroisse Refuge. Donc, je travaille dans la paroisse Our Lady of Refuge et je travaille tout dans la paroisse Saint-Vincent. Donc, dans la paroisse, nous avons gagné pour la semaine sainte là. Nous avons gagné une prière du matin et chaque jour pour le bon Dieu. Hein? Et puis, tout, nous avons gagné. Dans jeudi saint, on a gagné grande messe, la messe solennelle. Dernier souper, côté a gagné lavement des pieds. Et on a fait lavement des pieds, on va pour 12 garçons seulement. Donc, la mix. Grande messe là. Et puis, on a fait grande décoration pour le jardin de Gethsemane, adoration toute la soirée. Et puis, dans vendredi saint, on a parlé à. Fait chemin de croix dans la rue, et puis il y a une grande messe, la passion de Jésus. Puis, et dans samedi, comme on connaît, Jésus mourit dans vendredi saint, donc on a payé. C'est dans samedi soir, il y a une grande messe solennelle, veillée pascale pour la résurrection. C'est ça qu'a gagné dans Notre-Dame du Refuge, et presque la même chose pour Saint-Vincent de Ferreur, mais pour Saint-Vincent de Ferreur, par la passion, hein, chemin de croix, a gagné dans le cémetière, aux alentours du cémetière, Holy Cross. C'est que Père Mendes, que Nabdongo, merci. Que c'est sûr que Radio Télésolidarité a fait tout effort pour couvrir toute semaine sainte-là. Nous avons retourné à Bishop Sansari pendant que nous avons Père Bonneau, et que dans quelques minutes, que bon, Monseigneur, bon, que Gaëtan a dit que Jésus-Christ, c'est un mot brutal, que lui mourit de façon brutale. Et que bon, l'un a regardé en Barabbas avec Jésus, c'est Jésus qui a été choisi pour te crucifier.
Mais vous êtes capable de nous donner une signification l'amour ça gagne vraiment pour nous-mêmes catholiques. En premier, c'est pour nous faire attention pour que tout simplement Vendredi Saint pas vini on joue côté qu'on fait mal pour Jésus qui est innocent qu'a passé misère comme ça. C'est choquant à tel point que même Saint Paul dit pour moun qui a perdu le mot Jésus pas de sens. Mais Saint Paul dit mais pour moun qui croit le mot Jésus sous quoi c'est puissance bon Dieu. C'est parce que le mot Jésus c'est pas tout simplement yon l'ennemi lio qui joigne boutli qui marre li qui torture li. C'est le sacrifice. Le sacrifice que t'es Jésus fait être les victimes et puis la mitan tout man li yo. Il était fidèle, l'obéi papa, il remet juste la bout et tout n'est un couillon exemple pour nous. C'est que l'homme on a passé misère ou qu'on tendance qu'elle est fort découragé ou dit ça trop m'a quitté ça. Tant que Jésus l'allait jusqu'à la dernière goutte de son sang, il était fidèle. Et nous voyons que c'est comme ça réparer le péché d'Adam, parce que Adam, premier néglan, lui-même t'es désobéi, bon Dieu. Adam t'es gain tout sale tes besoins, puisque bon Dieu t'es mal tout jardin, tout pied-bois la vie en t'es bouli. Son seul bagage, bon Dieu t'es mandé le parfait. Pour ne pas manger fruits, pieds-bois du bien et du mal. Ça veut dire pour ne pas faire ça qui est mal. Pour ne pas rentrer dans l'amour du mal. Satan paraît, Satan dit à Adam, pas besoin d'occuper mon Dieu, non? Si, au contraire, ou fait ça qui est mal, ou choisit ça qui est mal, ça l'est qu'il est à faire bon. Mais péché Adam, il désobéit mon Dieu. Parce qu'ils comprennent que s'ils prennent chemin, fait ça qui mal, c'est dans ça à faire la régler. Et c'est ça nous-mêmes tout qui arrivait. Chaque fois nous fait péché, nous pas écouter bon Dieu, nous dit ma prend chemin crochu, hein, c'est dans ça ma réussi. Tandis que Jésus-même prend un chemin difficile, il était obéissant juste en bout. Et dans l'épître aux Hébreux, nous entendait, nous dit nous-mêmes nous pouvons souffrir jusqu'au sang. Tandis que Jésus-même, il souffrit jusqu'au sang. Et c'est l'obéissance qui réparait désobéissance à Adam que le fait bon Dieu plaisir. Et que bon Dieu, à ce moment-là, non seulement a levé Jésus en l'air, mais l'a levé avec Jésus, tout le monde qui acceptait vivre en communion avec Jésus. C'est peut-être ça, c'est pour nous vivre en communion. Ce n'est pas tout simplement recevoir la communion, non. C'est pour en communion avec Jésus. Donc, recevoir la communion pour maintenir communion ça, pour renforcer communion ça avec Jésus qui levait bien vivant. Qui veut que Père Bonneau, que nous connaissons en tant que tu veux par la Sainte Thérèse d'Avila, que c'est sûr qu'on a pris une activité pour semaine cette là et pour la fête du Pâques. Le premier mandat à demandé où c'est à peu près combien nous recevoir et pour messe dominicale et parlez-nous de l'activité tout pas bien pour semaine cette là et fête de Pâques. Bon, t'as dit que pendant semaine dans week-end ou bien fin de semaine nous gagnons à peu près 150 monde qui viennent à la messe haïtienne. Normalement on connaît paroisse ça gagne plusieurs messes. Nous gagnons la messe à 9h, la messe haïtienne à 9h, après la messe en anglaise à 10h30, et puis la messe en espagnol à midi. Et puis dans la soirée encore, nous avons une messe à 6h du soir. Ça vient faire que nous avons ça très active. Et puis, il y a un groupe jeune, il y a toute une série d'autres activités pour la communauté haïtienne. Et puis, pendant la semaine Sainte-Lan, nous avons eu lundi, Bishop Guy a parlé de comment pour nous réparer la situation avec Jésus, la communion. Et puis, lundi, il y a une chose que Dieu a offert, c'est que
Je fais ça offri non en journée côté que gain réconciliation bien confession côté que mon gain possibilité pour y aller confesser parce que semaine ça sont semaine sainte sont semaine qui réellement offri non de grandes opportunités pour nous entrer dans jeudi saint qui c'est tout ça dans ce palais là et puis dans vendredi saint. Vendredi saint d'après toutes gens ont parlé Bishop t'a parlé c'est que you n'a pas qu'à comprendre c'est que gen moun qui ka penser oh Jésus il juste mouri pour sauver nous. Je pense que gagnent plus à ça toujours. Gen moun qui ka poser question pour qui ça moun juste a souffri. Gen moun qui te écrit un livre qui dit why the good people suffer. Et puis mais quand bien même pas gen réponse non capable ba sur ça. Seul ça n'est capable dire c'est que gain souffrance Jésus a son souffrance rédemptive son souffrance qu'il a qui aider qu'a fait nous-mêmes nous vienne petite bon Dieu ça nous t'ai perdu dans Adam n'a gagné et puis n'ta qu'a dit Jésus pas justement mouri Jésus pral souffrir à cause moun faire souffrir yo accepter effectivement pour le faire souffrir, pour le tuer. Et Jésus était prêt pour prendre responsabilité ça, pour le faire volonté papa, et puis à cause de ça, il a souffri. Et dans la vie, nous sommes capables de voir ça. Lors dit la vérité, ou capable de souffrir pour ça. Lors a fait justice, ou capable de souffrir pour ça. Lors a pris défense, monde qui pi bayo, ou capable de souffrir pour ça. Et c'est ça qui fait que, et si on défend Jésus, ou capable de souffrir pour ça. Et Jésus lui-même te dit que monde qui pas peur de défendre, il y a une récompense. Et c'est ça que m'a dit pendant la semaine Pâques là. Et nous avons une grande opportunité. Dans le vendredi saint, nous avons gagné une procession dans la rue. Et puis après la procession, nous avons gagné un service vendredi saint. Et puis nous avons gagné, comme nous avons trois communautés, so, nous avons gagné des activités pour toutes les trois communautés. Et puis nous avons rentré dans samedi de Bénin, côté que nous avons préparé, nous avons 12 personnes qui peuvent recevoir baptême, communion et puis confirmation. Et que, Monseigneur, le mot de la fin? Eh bien, c'est pour nous participer pleinement par le récit, là nous tendez le récit de la souffrance et de la mort de Jésus. C'est pour nous comprendre que c'est une grosse affaire qu'a fait là. C'est le sacrifice de la réconciliation. C'est vraiment, c'est comme quoi l'an vendredi saint avec le dimanche Pâques, c'est comme quoi c'est tout évangile là, qui l'ouvrit en quoi on livre, côté où on va prendre toute bagaille, l'évangile. Là. Père Bono se dit en belle causée, c'est que les dit que si Jésus n'est pas lui-même qui bat pour lui, c'est moun méchance qui frappe. Et c'est comme ça qu'on a un martyr, un bon monde qui a martyrisé. Allez en Haïti là, pas les justices, ou après on est ce qu'a privé. Un pile pays, un pile monde mourir pour la vérité. Parce qu'il a défendu la vérité. D'ailleurs, Jésus dit ça. Jésus dit, parce que je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et il dit, tout le monde qui baptise en la vérité, à quoi il en moins. Donc, c'est pour nous venir partisans vérité, hein, juste en bout. Donc, profitez de semaine sainte ça pour que le spectacle de l'amour de Jésus par amour, l'amour de Jésus, qu'a inspiré nous, ou que nous-mêmes tous n'acceptons, mourir l'envie mes nous pour nous tourner des mondes tout neufs, des mondes qui mettaient la justice, l'amour, le service devant, en politique. Dans le business, la famille, non. Tourner des mondes tout neufs, de quoi pour que éventuellement toute communauté, hein, vienne une communauté tout neuf, participant à la résurrection du Christ. Au dernier mot, je l'ai dit encore, c'est que Saint Paul dit que nous devons compléter de notre chair ce qui manque à la passion du Christ pour le salut de l'Église. Allez qu'il est Christ mouri. Bon, mais même tout, c'est pour me rentrer dans la même bataille, Christ, là. Et pour me compléter, ça manquait dans la passion, Christ, là.
Ça veut dire même si Christ vient souffrir, moi-même, moi, c'est co-Christ. Et pour que la vérité triomphe, côté ma vivre, il faut me parer tout pour me souffrir tant que Christ. Amen. Père Bono, tu as justement dit tout téléspectateurs pour encourager, pour supporter Télé Solidarité. Nous avons toujours fait tout effort pour Télé Solidarité capable de voir, capable mener tout peuple bon Dieu dans toute activité qu'on fait tout près Jésus-Christ, lui-même qui c'est seul mettre nos gains pour aider nous vivre bien sous terre. Qui fait que nous capable dire pour Télé Solidarité que je dis que nous gagnons. C'est Bishop Sosari qui est chairman Télé Solidarité. Nous avons Père Bono et Père Saint-Charles Bono, qui est coordonnateur diocèse de Brooklyn et vice-chairman Télé Solidarité. Nous avons Père Oni Mendes Tour, qui est lui-même qui est leader spirituel de la communauté haïtienne dans la paroisse Refuge. Cette émission, ça, que c'est juste en première que lié, parce que nous déjà annoncé nous. Que na fin mois d'avril là n'a bien pour nous recevoir pastorale haïtienne qui dans diocèse Langalang et que pour fête Pâques là tout que n'a pas passé n'a plan pas passé Sainte-Brigitte dimanche et Rameau et que n'a pas direct dimanche Pâques n'a pas passé Sainte-Thérèse d'Avila paroisse Père Bonnoir dans messe 9h n'a pas passé Sacré-Cœur et à 1h qui dans Queens et nous gagne l'autre et caméraman tout qui avait partout qui a porté des images et pour nous et réellement que nous pensons que vraiment que son plaisir que pour nous gagner tout monde ça le Père Mendes Gontimo que la ajouté avant que nous finissions. Donc m'a dit tout le monde bonne fête joyeuse Pâques, à profiter du moment ça moment de conversion ça pour nous changer pour nous participer avec joie avec Jésus pour nous partager l'amour ça y en a plein. Donc Kounia, Bishop Gisansari, pour le banon bénédiction, n'a pas ouvert que nous pour nous prendre bénédiction ça. Avant bénédiction Bishop et Sansari, que n'a pas ajouté que émission ça l'avait pour le passer dans Télé Soleil, Radio Télé Soleil, Haïti, pendant toute semaine cette là, que nous sommes capables de dire que mon Haïti a bien chance pour tant d'émission ça. Déjà que nous sommes contents que ça l'a passé dans Télé Soleil parce que. Et que ni Père Desinor, ni M. Zarek, ni Père Bono, que voulez pour tout de l'église Ayo, et ni l'église Haïtia, ni l'église Sia, marcher ensemble. Que veut que Père M. Zarek pour la bénédiction. Nous sommes un seul cœur, comme la communauté primitive. C'est pour bon Dieu qui a tout pouvoir béni, nous bien béni. Papa, petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Brothers, sisters, what a joy to be with you today. Happy Easter. What a great feast day in the liturgical year. This is a great event. Oh, I wish I was present. But in some way, we are still present. Because whenever the church commemorates a past event, the power of this event is still alive. Today we really celebrate the resurrection of Christ. See the power of this event. Have you ever heard that someone came out of his tomb? Did you ever hear that? The power of the symbolism also of this event, because death is the enemy of mankind. We try everything to avoid death, but finally we are defeated. One after the other, we are defeated by death. But Jesus went into death and rose again. And it's good news for mankind. He's telling us that beyond death, there is life. And this is precisely what he offers to mankind, victory over death, eternal life. So let us rejoice in this day and really try to participate in this victory over death by remaining in the covenant, by receiving communion, and therefore being united to Christ in his spirit, in his love, in his spirit of love of service, in the spirit of purity
of heart and of body. So may this feast of Easter mark some sort of a new birth for all of us. It's the beginning of a new age in history, the age of grace, so that we will no longer be overpowered by sin and evil ways. So be a new man, a new woman. Happy Easter, and continue to grow in this gift from heaven that comes from the risen body of Christ. Amen. Frère Axomeyo, joyeuse Pâques, gros fête, mes amis. Est-ce que j'aime tant de ça? Que au monde qui mourit, enterré, l'y levait bien vivant. Et c'est sous événement ça que toute la foi l'Église en chita. Parce que Saint Paul dit, si Christ pas levé, sauti l'ami tant moyo, c'est pour rien nous croire. C'est gros événement ça qui historiquement établi Jésus vraiment levé. Et il fait apôtre Wally et vraiment passion que nous voyons en Saint-Pierre, Saint-Paul, avec toute l'autre apôtre, le début de l'Église, là, passion ça qui jusqu'à présent a traversé le monde qui gagne la foi, si chita sous Christ qui levait bien vivant. Non seulement son victoire personnelle pour Christ, en songeant que Christ c'est tête l'Église, là. Victoire Christ, là, c'est pour vous lier tout, pour moi-même tout. La mort a frappé, mais Jésus t'a déjà dit, depuis un monde quoi la moins, li mette mouri la vive, et depuis un monde vive, et li quoi la moins, li pape jam mouri. Jésus a pofrine, victoire en roulement, la pofrine, la vie éternelle. C'est peut-être ça, c'est pour nous presser, vivre en alliance avec Jésus, en alliance que nous marquer grâce à la communion que nous recevoir. Joyeuse Pâques, et commencez. Vive tant qu'un nègre qui fait fête encore, au monde qui fait fête encore, avec toute charité, toute remède, toute pureté que nous est en Christ qui le veut bien vivant. Bonne fête Pâques. Amen.